Après 12 ans de vie commune, Shakira et Gérard Piqué ont mis un terme à leur histoire. Ensemble, la chanteuse et le footballeur avaient eu deux enfants, Milan, 9 ans, et Sacha, 7 ans. Samedi 4 juin 2022, CEST par le biais d'un communiqué qu'il avait indiqué à leurs fans, « Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension. » Si l'interprète de Waka Waka est actuellement célibataire, son ex aurait déjà retrouvé l'amour. Mardi 23 août 2022, Gérard Piqué aurait été vu en compagnie de Clara Marty, une étudiante en relations publiques qui aurait travaillé pour Cosmos, l'entreprise dirigée par le footballeur. D'après The Sun, Shakira était très en colère après avoir appris la nouvelle. Jordi Martin, un photographe espagnol, a confié à ce sujet, « Je suis Shakira depuis 12 ans. Je l'ai suivie partout dans le monde. » Le jour après que les images de Gérard Piqué embrassant Clara ont fait le tour de la planète, « Je suis allé voir Shakira à son domicile. Je voulais la remercier, car je sais tout ce qui la tourmente. » Les couples peuvent se séparer sans que rien ne se passe, mais Gérard agit mal. Si cela a été un coup dur pour la chanteuse, elle a rebondi dès le lendemain en arborant une casquette sur laquelle est écrit un message très second degré. Sur celle-ci, il est en effet écrit « Lucky in love », soit chanceuse en amour. Pourquoi Shakira et Gérard Piqué ne se sont jamais mariés ? Si leur histoire d'amour a duré plus de 12 ans, les deux stars ne se sont jamais passé la bague au doigt. En 2011, CEST lors d'une interview accordée à la chaîne CBS que Shakira avait fait savoir, « À vrai dire, le mariage me fait peur. Je ne veux pas que Gérard me voie comme sa femme, je préfère qu'il me voie comme sa petite amie, son amante. » Si est-il un fruit défendu, je veux maintenir notre couple en alerte, je veux qu'il pense que tout est possible en fonction de son comportement.